C'est parti. Et on n'est pas encore à Sanctuary. Nous approchons de Sanctuary, Sphere. Par devant, va dire aux habitants ce que je veux pour fêter mon retour. Je reste ici pour qu'ils aient le temps de tout préparer. Premièrement, vous ne trouverez pas dans Sanctuary. Restez dans votre trou, c'est la part de sans pitié. Je te vois. C'est génial. Vous voulez pas retourner dans votre camp, les gars? C'est génial. Pandore est un endroit violent et sans pitié. Sanctuary, c'est... J'adore. À peine moins pire. Il te faut une voiture pour parvenir aux portes de la ville. Va à l'autoloc. Compte sur moi. C'était rigolo. C'était vraiment rigolo. Ah, des garogos. Salut. Me fronde pas. Hop là, bah oui. J'ai un build qui marche comme ça, donc avoir trouvé ce Jacob, c'était vraiment... vraiment génial. Ils sortent des sphincters muraux. C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. Bien parce qu'il dit ça tout juste là maintenant en balançant tu as déclenché mon piège, la mort va frapper. Effectivement, la mort m'a frappé. Je confirme. Gros naze. Ah là 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 là. Hop là. C'est parti. Cette machine peut te matérialiser un véhicule. Eh? Essaye pour voir. J'ai déjà joué à Border. De mémoire. Ça ne marche pas. Oula, utilisateur non autorisé dans la place. Y'a pas moyen, tu cousin. Tu cherches à pirater mon autoloc? Y'a pas moyen, cousin. Ni con. Merde. Oh, pardon. Mince. C'est un certain scooter qui contrôle les bornes autoloc. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicules. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Il y a un robot d'Hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autoloc, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Ok. Pas grave, pas grave, absolument pas grave. J'avais dit. C'est des grosses cibles. Les shotguns sont donc ultra efficaces. Je vais le découper. Ah, j'ai pris des dégâts. Bêtement. J'ai pris des dégâts parce que je voulais absolument l'avoir au piac. Suicidaire, et merde. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Voici la quête. Parti. Branche l'adaptateur sur l'autoloc et je t'offre une voiture gratuite. Merci beaucoup. Ah puis il y aura les super vélos de la mort dans le 3. Enfin les vélos, les motos de la mort, pardon. Vélo. Ça va pas, Marc. Ah là 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 là. J'ai hâte d'en voir plus. J'en veux plus. Plus de loot. Enfin. Ça va venir, Marc. Voilà. Changement de phase en cours. Désactivation du verrouillage en cours. Ah. Donne-moi une minute, je vais pirater l'autoloc. T'as 30 secondes. Bonjour pour le capitalisme. Autorisation de l'utilisateur confirmée. Bonne route. À très bientôt. Bravo. Demande une autre voiture. Bleu passe pas, Onyx, parti. Déployez le véhicule, montez dans le véhicule. Merci d'avoir choisi l'autoloc de scooter, salut, t'as du cul. Très élégant.
Très bien. Maintenant, va trouver Roland à Sanctuary. Il sera ravi de rencontrer la personne qui a tenu tête et survécu au beau Jack. Oui, oui, je te le dis. Aïe. Aïe. Des fois, je vous en veux, les bandits. Vous n'avez pas à vous soucier de trucs comme l'intelligence, la culture, la morale, l'honneur, l'ambition. Ça se fait tellement pas. Je pourrais continuer, mais... Je me rappelle jamais. J'ai failli oublier la dignité. Je me rappelle jamais le nom du doubleur. C'est le doubleur de. C'est le doubleur de comment qui s'appelle de... D'Eric Cartman. C'est génial. Je me rappelle jamais. Oh non. Non, il est vraiment excellent. Les âmes. Allez, ouvre. Ça sera l'exécution sommaire pour vous tous jusqu'au dernier. Bon, après ce que j'ai fait, tu peux bien peut-être. Ouvrir. Laisse-moi le matos et je te laisse partir. Ok, ils sont nombreux. Là, tu vas payer. Pas une arrache-cou. Aïe. C'est pas prévu ça. Très bien. Hop là. Hop le fusil à pompe, je sens que ça va être le fun. Hein. Surtout celui-ci. Hein. Ça va être du fun en barre. Très bien. Bon, on s'est occupé d'eux, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop là. On va là. On sonne. Écoutez-moi, bande de sans-pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Je suis pas un sans-pitié. Un chasseur de l'arche. Roland veut vous parler. Attendez, je lui passe un écho. C'est que être Roland. C'est toi dont tout le monde parle sur les ondes. Ah ouais, ouais, c'est moi. Avant, j'étais un chasseur de l'arche comme toi. Et puis j'ai formé les pillards écarlates. On se verra à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. Je t'écoute. Le caporal Reis n'était pas revenu avec le mur énergétique. D'accord. On a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ok. Reis à Sanctuary et tu auras gagné ta place chez les pillards. Roland t'a contacté ? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous aider à faire tomber Jack. Ici le beau Jack. Je vous rappelle qu'il est inutile de vous faire de la bile pour ces petits séismes intempestifs. À chaque secousse, mes foreuses se rapprochent de l'arche, de la liberté, de l'ordre, de la sécurité pour tous. Sauf pour les pignoufs de Sanctuary, bien sûr. Ok, bah comment te dire ? Ça va poser problème. J'ai fait le cœur énergétique au sans-pitié ! Faites sauter le pont ! Je suis touché ! Je vais les semer dans les marofils ! Reis a des ennuis ? Bon sang. C'est pas comme si on était en sureffectif. Trouvez le soldat. À vos ordres. Ah, là, c'est un super endroit de farm dans le coin. Ah bon, on y reviendra. Je le ferai peut-être vite fait en live pour... Enfin, pas en live, mais en vidéo pour vous le montrer. Ils sont trop nombreux. Quelqu'un m'entend ? J'ai besoin d'aide ! Aïe ! Fantomitude. Hop les ! Hop les ! Non, tu te le gardes. J'en veux pas. Genre, mais aïe. Frappe-moi. Merci. Hop là. Encore une Jacobs. Très bien. Pourquoi à chaque fois que je dis frappe-moi, je pense à Neo. Et à Morpheus. Morpheus qui lui dit arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. Hop là, get wrecked, bitches. Chasseur de l'arche. Ouais. Je ne pensais pas mériter une telle escorte. Il y a un de ces tarés qui s'est enfui avec le cœur énergétique. Sans lui, Sanctuary est vulnérable. Rapportez ce cœur à Sanctuary. Moi, je vais faire une petite sieste. Réveillez-moi lorsque j'aurai quitté Pandore. Ah, c'est triste. Ah, c'est mort. Ouais.
c'était l'un des premiers de la lance que j'ai recruté chez les pillards. Désolé. C'était un type bien. Ouais, je me doute. Ramenez donc ce cœur. Et tant que vous y êtes, massacrez quelques bandits pour Race. Comptez sur moi. Et non, ils ont une sacrée vue. Hein. Hop là. Cœur énergétique, génial. Au moins Jack me détruira si tu arrives aujourd'hui. Reviens à la ville, on se retrouvera quand je serai là-bas. Bienvenue chez les pillards et quatre. Je me fais attaquer, on se retrouve au... On se retrouve au quoi? T'as pas dit au quoi? Oh oh. Ouais, ouais, celle-là c'était mérité. T'es censé prendre masse dégâts, t'es gros. Et c'est pas de la grossophobie, c'est juste parce que j'ai du spread sur une arme, donc forcément, même à une plus longue distance, je fais quand même des dégâts. Ouais, donc je l'ai entendu. Ok. Très bien, si tu veux pas mourir, moi je te tue. Oh! Dit-il en tirant dessus. Aïe. Ah, je suis un peu trop. Ok. Allez! Arrête! Voilà, merci. Munition. Il me faudrait plus de soldats aussi au passage. Ça prendra pas plus de 2 minutes. Merci. Pour nous laisser tranquille. Hop. Une arme. Je prends. Tu décèdes. Fasse gaffe au nombre de munitions qui nous reste. Ah. Oups. Ça c'était pas prévu. C'est dommage, on va louper le moment où il était. On a loupé le moment où il était debuff, c'est dommage. Hop là. Y'a t'es où? Ok. Allez. La résistance a perdu un homme bien aujourd'hui. Mais je suis sûr que Ray aurait été heureux de voir la raclée que vous avez mise au sang. C'est pour moi. Mais oui. Wouhou, du loot. C'est vraiment une des meilleures boîtes qu'ils aient jamais fait, une boîte de loot qu'ils aient jamais fait. J'avoue, je me suis laissé mourir juste pour rentrer. J'ai gagné du temps. C'est parti! Livrer le cœur énergétique! J'ai complètement oublié à quoi ressemble Sanctuary. Alors complètement. Alors comme ça, tu es à Bandyville, hein? C'est super. Oui! Ça sera un plaisir de te voir brûler lorsque je viendrai nettoyer ce trou à rats. Ah. Oh. Et j'ai décidé de te dire mon secret, mais plus tard, quand il l'aura mérité. Le commandant Roland nous a parlé de vous. C'est vous qui avez survécu à Jack. On a sérieusement besoin de votre aide. Mais chaque chose en son temps. Branchez ce cœur énergétique sur le générateur du bouclier. Oui, monsieur. À vos ordres, monsieur. Hop là, c'est parti. Voilà. Bienvenue à Sanctuary, maintenant vous devez trouver Roland. Très bien. Alors ça c'est une Jacobs ou ça c'est une... Je vais prendre ça, parfait, mais... Ça un jour ou deux. Roland devait nous ramener des infos sur comment arrêter Jack. Sans lui, on va vraiment... Jessup, tiens-toi droit, il y a un chasseur de l'arche qui arrive. Le respect. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Oui, oui, vas-y, ouvre. Ouvre. Monsieur, dirait madame. C'est un honneur de rencontrer un chasseur de l'arche. Chasseur de l'arche,
Alors, deux choses. Premièrement, il veut pas m'ouvrir la porte. C'est vraiment une chance que vous soyez là. Et c'est deuxièmement... C'est un honneur de rencontrer un chasseur de l'arche. Il a une voix qui est réutilisée dans Skyrim. Chasseur de l'arche. Et cette voix, c'est celle qui dit... Je me suis pris une flèche dans le genou. J'étais aventurier avant comme vous, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Et bah c'est lui. On est toujours pas revenu de sa mission de reconnaissance secrète. Et je crois que le mec parle aussi dans l'introduction. Et c'est là que vous intervenez. Allez voir le mécano de la ville. Merde. Je veux dire, flûte. Roland a besoin de ton aide. Sans toi, les pillards écarlates n'ont aucune chance contre Jack. Oh. S'il te plaît, essaie de trouver où est passé Roland. Sanctuary. Construite sur l'épave du meilleur vaisseau minier interplanétaire de la société DAL. Chut. Un scooter. Oh, crotte. T'es chez Hyperion? Il paraît que vous êtes tous des robots et que vous bouffez la ferraille dans les poubelles. Je savais que votre bande de machines à tuer viendrait me chercher après le départ de Roland. Si tu veux me faire la peau, faut que je te dise... Tu mourras jamais vivant, saloperie de robot! Excellent. Absolument excellent. Je veux bien qu'on me pende par les pieds à un poteau électrique, qu'on me couvre de miel et qu'on m'abandonne aux hyménoptères affamés. T'es pas un robot du Périon, t'es un chasseur de l'arche! T'as vu ça? La vache! C'est encore mieux qu'une licorne! Il est con. Tu vas nous filer un coup de main pour Roland? Ouais. Les gars des pillards écarlates en ont causé devant moi. Roland m'a dit que s'il disparaissait, je devais déclencher le plan B. Que j'appelle le plan transformer la ville en une putain de forteresse volante qui balance des grosses steaks. B. B. J'ai des cellules énergétiques là. T'en auras besoin. Ah, et tiens, de l'iridium aussi. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci beaucoup. Tiens, moi. Merci beaucoup. Et les cellules, très bien. Je finis ici. Et no. Ok. Très bien. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On va brancher ces deux cellules sur les amorces d'allumage. Il t'en faudra une troisième et c'est pour ça que je t'ai donné ce caillou. Ouais, oui. J'ai acheté une cellule au marché noir d'heure. Mais fais gaffe, c'est un gros malade. Mais oui. Un jour, il m'a bouffé une bagnole. C'est Earl le dingue. En entier. Il m'a bouffé une bagnole. Entier avec une fourchette. Ouais, j'imagine très bien. La question c'est comment t'as fait rentrer la bagnole dans sa porte de maison. Mais bon, mis à part ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la paix au mal plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yup, likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, commentez aussi.